Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour le webinaire Solutions Pro sur les solutions connectées en chauffage collectif. Sujet innovation et technique, je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est les présentateurs qui vont vous expliquer dans le détail comment fonctionnent leurs solutions. On va laisser parler en premier Monsieur Damour de la société Coquelicot. En deuxième, nous aurons Monsieur Benchek et Monsieur Doux qui sont de la société Temperly. Et juste un petit mot d'introduction pour vous dire que le prochain rendez-vous Solutions Pro, ce sera pas un webinaire, ce sera un rendez-vous en présentiel à l'Académie du Climat pour visiter le laboratoire de l'éco-construction. Ce sera le 2 décembre. Donc, je vous mettrai dans le pavé de discussion tout à l'heure le petit lien pour vous inscrire et vous pourrez le retrouver également sur l'agenda de l'agence. Et ensuite, on se donnera rendez-vous en 2022 pour les prochains webinaires dont les thématiques n'ont pas encore été définies. Voilà, bah je vous laisse commencer, Monsieur Damour. Avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour à tous. Enchanté. Je suis Anthony Damour. On est ensemble avec Coquelicot pendant une vingtaine de minutes, avant ensuite de laisser la main à mes collègues de Temperly. L'objectif aujourd'hui, et je vais partager mon écran pour illustrer le propos, ça va être de regarder ensemble, du coup, le fonctionnement de la solution Coquelicot et de vous montrer finalement qu'il existe aujourd'hui des solutions qui économiquement sont intéressantes, attractives et qui permettent de générer des économies en copropriété. C'est vrai qu'on a tendance souvent à tout de suite s'orienter vers des solutions assez lourdes avec des rénovations thermiques assez engageantes. Et finalement, des sujets et des projets d'individualisation de frais de chauffage permettent déjà d'aller générer du coup des économies. La solution Coquelicot est une solution qui est assez récente. L'entreprise elle-même est de 2016. Et nous sommes depuis 2019 sur le segment de l'individualisation des frais de chauffage. Donc ça reste récent. Comment fonctionne Coquelicot? Le système, en fait, est assez simple. L'idée, le constat, était de se dire qu'initialement, sur le marché, depuis quelques années, il y avait deux solutions techniques, du coup, qui, j'ai envie de dire, entretenaient le segment et le marché. Les compteurs d'énergie thermique, d'une part, et puis les répartiteurs de frais de chauffage, d'autre part. Coquelicot a été fondé par quatre thermiciens qui ont beaucoup étudié ces problématiques de comptage, de coefficient de situation, de répartition équitable des frais. Et dès 2016, lorsqu'ils étaient durant leur thèse ou doctorat à Mines Paris Tech, ils ont créé un premier logiciel destiné au bureau d'études qui était basé sur une technologie du coup assez novatrice, qui est la technologie de la simulation thermique dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les projets de Coquelicot, chaque résidence que l'on instrumente fait l'objet d'un clone numérique. Et en fait, ce clone comprend toutes les caractéristiques thermiques du bâtiment. Les épaisseurs de béton, l'isolant, les menuiseries, l'exposition, l'ombrage, les masques, bref, toutes ces caractéristiques thermiques, ce qui nous permet, du coup, in fine, d'avoir, avec des convergences d'objets connectés dont je vais parler après, eh bien, un algorithme puissant qui va tourner derrière et qui va apporter à la fois un système de répartition équitable des frais de chauffage, mais également, du coup, toute une série de services derrière pour que les usagers, les occupants ou la partie exploitation pour la chaufferie puissent également y trouver leur compte, accéder à des données, à des informations et générer des économies. Le but du système Coquelicot, il est très simple, c'est du coup d'aller vraiment vers des gains d'énergie primaire, qui plus est dans un contexte où on le voit aujourd'hui, l'énergie et le coût de l'énergie a tendance à s'envoler. Et également, du coup, sensibiliser l'ensemble des occupants. On sait notamment en copropriété que tout le monde n'est pas égal, du coup, face à la rénovation. Certains ont changé, par exemple, des menuiseries ou des radiateurs, des éléments plus performants. D'autres ne l'ont pas encore fait. Certains ont mis des robinets thermostatiques pour commencer à réguler chaque radiateur. D'autres ne sont pas encore là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avancer avec chaque copropriétaire et trouver des solutions et des systèmes qui soient les plus justes. Alors, comment fonctionne la solution Coquelicot? En fait, le système traditionnel que vous avez sur la partie gauche, le système dit de répartiteur de frais de chauffage, dans le projet de Coquelicot, il est remplacé par un autre outil, d'autres outils, même s'il y a des solutions alternatives. Mais le premier, celui qu'on privilégie, va être celui-ci. Hop, je l'affiche à l'écran. C'est un robinet thermostatique connecté qui affiche la température de consigne et qui contient en fait une sonde de température.
Et lorsqu'on instrumente les différents radiateurs d'un logement, on va récupérer l'information de la température de chaque pièce et en la croisant avec la simulation thermique dynamique, vous allez le voir juste après, sur l'interface de Coquelicot, vous allez accéder à plein d'informations du coup, pour vous aider dans le pilotage. Si vous avez déjà des robinets, le but n'est pas de les changer. On n'est pas là pour changer du matériel qui n'a pas de raison de l'être. Donc, en complément, l'autre alternative technique, c'est d'utiliser des sondes dites d'ambiance, des sondes murales, du coup, qui vont permettre également de venir mesurer le niveau de confort dans chacun des logements et également l'hygrométrie, donc l'humidité. Je reviendrai dessus tout à l'heure. À titre indicatif, lorsqu'on a regardé une implantation d'un projet Coquelicot, ça se présente de cette forme-là. Du coup, donc, quand on est sur les vannes connectées, elles se situent évidemment sur les radiateurs. Et sinon, les sondes, on en met en moyenne 2 par logement, à l'image de ce que vous avez à l'écran. Quand on est sur des grandes superficies, à partir de certains T4 ou des T5, on va passer à 3. Vous allez me dire comment fonctionnent ces petits boîtiers et qu'est-ce qu'ils émettent. En fait, ce sont des fréquences qu'on appelle des fréquences radio, des ondes radio, qui sont plutôt des basses fréquences, notamment par rapport au Wi-Fi qu'on connaît tous maintenant. C'est un tiers d'émission. Du coup, par rapport à ce que peut représenter le Wi-Fi. Et surtout, ce n'est pas un signal continu. En l'occurrence, les données transitent vers nos serveurs toutes les 30 minutes. Et donc, il y a une impulsion qui est envoyée vers la petite box, ici le concentrateur, à raison donc de 30 minutes, et qui va collecter très peu d'informations finalement, si ce n'est le numéro de la sonde, la température instantanée, et puis le niveau de batterie et également l'humidité. Ces données sont envoyées sur la box. Cette box est souvent située en toiture pour des raisons du coup pratique, et transite immédiatement l'information du coup vers les serveurs de Coquelicot. Une fois que vous avez ces informations, et c'est vrai que c'est important aussi de se le dire parce qu'on parle d'IoT, on parle d'intelligence artificielle, on parle de maquette, ça peut faire un peu peur avec tous ces nouveaux mots, mais finalement, c'est des projets qui sont rapides à mettre en œuvre. On commence par une visite technique, du coup, on prévoit ensuite la restitution de cette maquette dite STD, on va instrumenter du coup les logements et la chaufferie. Et puis, derrière, on va pouvoir engager l'ensemble des occupants dans le dispositif en livrant des accès aux interfaces et aux applications. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez demain? C'est simple, vous avez du coup deux interfaces déclinant l'application qui vont vous permettre d'obtenir des informations sur vos logements. Première application, c'est le suivi de consommation. Assez classique, comme on peut le retrouver dans le domaine de l'électricité, par exemple, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine du chauffage collectif, est encore un parent pauvre. Donc, on a des petites interfaces ludiques qui vont vous dire, voilà, vous êtes à tel niveau de consommation au cumulé de l'année, au mois, et vous avez également un comparatif moyenné à surface égale par rapport aux voisins. Donc, ça permet de pouvoir également se positionner. Et ça répond d'ailleurs à l'une des évolutions législatives. La loi évolue, et à compter du 1er janvier prochain, va imposer, du coup, le fait de pouvoir se comparer dans la même résidence à ce que pourraient consommer également les voisins en matière de chauffage. Donc, vous l'aurez par défaut. Et puis, un autre point qui est super important pour Coquelicot dans ce dispositif, c'est vraiment de donner à chaque occupant, chaque copropriétaire, des moyens de pouvoir simuler du coup, quels seraient les impacts économiques d'un comportement plus ou moins vertueux. L'idée est de dire, si je me chauffe à 22, quel pourrait être l'impact économique? Et si je suis plus vertueux, par exemple à 20, quelles sont les économies que je pourrais attendre? Et donc, chaque occupant dispose sur son application d'une petite molette qu'il peut ajuster sur la température choisie et, in fine, voir quels seraient les coûts ou les économies. Un autre point qui est important, jusqu'à aujourd'hui, les données étaient assez cloisonnées. On appelle ça un fonctionnement en silo. Finalement, elles servaient à quittancer, à répartir les frais, mais elles servaient à peu d'autres choses à côté. Au-delà d'engager l'occupant, comme je l'ai montré avant, il y a un autre point qui est important et qui vraiment est générateur aussi d'économie, c'est de dire que chaque bâtiment qui est instrumenté fait l'objet d'une expertise et d'un rapport par notre service Energy Management qui va pouvoir du coup donner à l'exploitant ou au conseil syndical à minima l'ensemble des informations qui pourraient permettre des économies supplémentaires. On parle ici par exemple d'équilibrage hydraulique. On va parler de relance ou de réduit. Et c'est vrai que quand on connaît le bâtiment sous l'angle température par rapport à des contextes météo, ça nous permet aussi d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et donc, la promesse et la finalité, c'est d'aller vers de l'automatisation et de dire que les données de Coquelicot
en complément d'un contexte météo à venir, ben, peuvent directement et automatiquement du coup, incrémenter et programmer la chaufferie ben, pour qu'elle donne le meilleur confort en étant ben, plus vertueuse sur la gestion de l'énergie. C'est un point qui est également fondamental. Donc, un système de répartition des frais qui se veut plus vertueux, plus équitable que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui, notamment parce que cette maquette numérique va permettre de savoir ce que chaque logement consomme réellement par rapport au bâtiment. Un point aussi que je n'ai pas étayé avant, mais qui est souvent du coup mis sur le devant quand on parle de répartition, c'est cette notion d'équité. Qu'est-ce qui se passe effectivement si je décide de fermer tous mes robinets pour ne pas payer d'énergie? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les solutions techniques que l'on connaît, hélas, c'est un problème qui n'est pas pris en compte. Et pourtant, si un logement entre deux autres logements décide du coup de couper ses émetteurs, de ne plus se chauffer, mais il va bénéficier par inertie du coup de la chaleur de ses voisins qui, eux, vont être obligés de chauffer davantage pour venir chauffer celui-ci. C'est ce que l'on appelle, de manière générale, les vols de chaleur. Ici, avec le système Coquelicot, quand bien même il aurait 17 ou 18 degrés dans son logement, il paiera pour ces 17 ou 18 qu'il aura obtenu parce que d'autres auront fait l'effort de se chauffer plus pour lui, tout simplement. Donc, ça permet de répondre à ces critères-là. Interface dédiée pour les occupants. On l'a vu avec la petite molette tout à l'heure ou les dashboards qui permettent de suivre simplement la consommation de chacun. Et puis, on y croit aussi beaucoup parce que ce sont des gains sur tout ce qu'on a pu instrumenter jusqu'à aujourd'hui qui vont osciller entre 8 et 15 % selon les installations, selon l'ancienneté et les contextes. L'optimisation de l'installation existante, c'est un vrai levier. Du coup, et on le voit dans tous nos projets, il y a des problèmes d'équilibrage qui sont assez récurrents. En termes de rendu visuel, je me permets de me connecter quelques instants à l'interface ici Coquelicot. Je vais choisir une résidence. Hop, alors peu importe laquelle, je vais me mettre sur une qui est assez importante. Donc les interfaces plutôt ici pour le conseil syndical ou pour l'exploitant sont plutôt friendly, accueillantes et permettent de pouvoir donner de l'information et des alertes en instant T. Ce que je viens de décrire ici sur l'optimisation de l'installation, vous l'avez en instantané là, sur une résidence en visu. C'est une résidence de 3 bâtiments qui instantanément se situe, vous voyez, à 21,4, 21,8, 21,5 degrés. Donc, on a un bon équilibrage d'ailleurs horizontal. En revanche, quand on le regarde ici en vertical, on s'aperçoit du coup qu'il y a notamment un rez-de-chaussée qui est un peu plus frais que l'ensemble des autres niveaux. En quoi c'est intéressant de le savoir? Ben, déjà, pour l'exploitant, c'est peut-être des réglages à avoir et surtout en cas de réclamation. Si l'un des copropriétaires du rez-de-chaussée appelle pour se plaindre et demande à faire monter le chauffage, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne solution que de le monter pour tout le monde, parce que le niveau de confort est très bon pour les étages supérieurs, et donc il faut trouver une solution plus ponctuelle pour les occupants du rez-de-chaussée. Donc l'accès à la donnée permet pas mal d'éléments. Chaque résidence reçoit chaque année 2 rapports en automatique, un rapport sur le confort de chauffe, avec toutes les préconisations que l'on peut imaginer, et également un rapport sur le confort d'été. Les sondes du coup, de température, qu'elles soient ici sur, en mode van connecté ou avec des sondes murales, ben, elles fonctionnent toute l'année. Donc même en dehors de la saison de chauffe, ça va permettre d'apprendre plein d'éléments par rapport à votre bâtiment. Et le confort d'été, ce n'est pas neutre. On voit que le réchauffement climatique et puis l'Aéro 2020 qui en parle de plus en plus, connaître dans une résidence quels sont les points de sensibilité. Les logements trop incandescents et qui contaminent finalement tous les voisins, c'est plutôt intéressant de le savoir parce que derrière, ça permet d'aller vers des scénarios techniques avec plus ou moins d'investissement, mais pour retrouver du confort pour tous. Donc voilà pour la solution Coquelicot, une solution qui se veut plutôt innovante, basée sur l'IoT, la simulation thermique dynamique, et qui apporte tout un ensemble de services du coup derrière aux occupants et au conseil syndical. Je ne l'ai pas dit, ça peut être intéressant pour vous. L'année 2021 est une année importante pour Coquelicot. On est passé à l'échelle sur cette année et la montée en puissance se confirme pour 2022. On est à 3500 aujourd'hui logements qui sont équipés du dispositif Coquelicot et on en prévoit 80 000 pour 2022. Coquelicot est donc, je l'avais dit en introduction, une jeune entreprise créée en 2016 et lancée sur le dispositif de la répartition
des frais de chauffage depuis 2019 maintenant. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je vois pas de questions dans le groupe, donc les questions-réponses. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? Et si vous n'en avez pas, je peux vous en proposer une tout de suite. Moi, j'en ai deux petites. Allez. Alors, au niveau des têtes thermostatiques, vous avez montré là vos têtes thermostatiques connectées. Est-ce qu'il est possible de s'en servir pour faire une programmation horaire par pièce ou c'est uniquement de la programmation température? Oui, c'est vrai que le fabricant propose une application dédiée. Donc, il y a une application fabricant qui permet de pouvoir prendre la main également par l'occupant à distance. Il y a un contexte qui est intéressant, qui est pratique, c'est de dire que si vous absentez un peu rapidement pour partir en week-end et qu'à 100 km de votre domicile, vous dites « mince, on a oublié du coup de baisser le chauffage », effectivement, c'est clairement vertueux que de pouvoir actionner et prendre la main à distance. OK. Un autre point, Thomas, qui peut être intéressant pour tout le monde, un dispositif maintenant tel que celui-ci, il faut savoir qu'il contient… Donc évidemment une sonde de température et il a un petit logiciel, un petit moteur intelligent dedans. Par exemple, si vous ouvrez la fenêtre et qu'il est en service sur 21 ou sur 22 par exemple et qu'il fait 6 degrés dehors, il va détecter la chute brutale de température et il va se fermer de façon automatique. Donc il prend le relais sur l'usager. Ok. Ça c'est assez pertinent. Alors, on a une question. Quel est le coût du système? Avec plaisir. Alors, quand on est sur l'approche sonde murale, du coup, en admettant qu'il y ait déjà des robinets thermostatiques dans les logements, on est ici sur un abonnement mensuel de 4 euros par mois, du coup, tout inclus. Abonnement, maintenance, accès aux applications, les différents conseils dans la plateforme. Et on est calé sur ce que le marché a créé ces dernières années, donc des contrats, qui sont des contrats dits de location, entretien, relève, des contrats d'une durée de 10 ans. Quand on est sur la version van connectée, alors ici, ça va dépendre du nombre d'unités, mais d'une manière générale, si je reste sur la notion d'abonnement, si on n'a pas d'investissement en année 1, ça peut être une autre alternative, sur cette notion d'abonnement, vous le doublez. Vous êtes à 8 euros, du coup, par mois et par logement. Et donc, les robinets, la maintenance de ces derniers sont inclus également. Donc, ça va être 8 euros par mois, par logement, quel que soit le nombre de vannes qui soient installées. Oui, je vous ai fait une moyenne. C'est sûr, si on est dans un studio avec un seul radiateur, ce ne sera pas le même comportement que dans un T5. Du coup, je vais avoir peut-être 6 émetteurs. D'accord. Ensuite, est-ce que votre solution fonctionne avec des compteurs d'énergie dans le cadre d'un seul tuyau qui alimente l'ensemble d'un appartement? Alors, si vous avez déjà un compteur d'énergie qui est en place, du coup, alors vous pouvez à loisir mettre des robinets thermostatiques tels que ceux-là et avoir l'application du fabricant, mais Coquelicot n'aura pas de valeur dans ce cadre-là parce que le compteur d'énergie, lui, ben, il va déjà faire son travail de comptage de l'énergie, de répartition. Ouais. D'accord. Et là, on est plus après sur la restitution de données ou d'autres informations que pourrait faire l'éditeur avec. On est finalement, clairement, nous, en concurrence avec les compteurs d'énergie. Ok, très clair. Et peut-être encore une autre question. Vous parliez des bornes qui font le relais là, entre les équipements et Internet. Est-ce qu'il faut prévoir plusieurs bornes en fonction de la taille des bâtiments ou est-ce qu'une borne suffit pour couvrir une zone suffisamment grande? Alors, quand on les positionne en toiture, on a l'avantage, c'est qu'on évite, contrairement à la position chaufferie, par exemple, ce qu'on appelle une cage de Farfadet, donc un local qui empêche une bonne émission. En toiture, on a une portée qui atteint 300 mètres et on peut couvrir par système de box à peu près 500 objets connectés. Donc, généralement, quand on est sur des GoPro de taille tout à fait standard, du coup, une box suffit pour une, voire on peut mutualiser plusieurs GoPro. Retenons qu'à partir d'une centaine de lots, du coup, il va falloir regarder et adapter pour peut-être en avoir deux les mettre à des endroits différents pour une meilleure réception. Ben, c'est les visites techniques de départ qui permettent de cadrer le projet. OK.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions non plus. Je vous propose du coup de passer à la partie Temperly et puis restez avec nous. Il y aura peut-être des questions génériques à la fin. Merci Entendu. beaucoup. On fait ça, je vous en prie. Je vais couper le partage. Et du coup, côté Temperly, je ne sais pas lequel de vous deux s'occupe de la présentation, messieurs. Alors, je vais donc partager mon écran. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci donc à Madame Jacobi Coali et à Monsieur Renaudin pour cette invitation à ce webinaire. Et puis, merci aux participants de prendre du temps pour s'informer sur le sujet. Alors, dans un premier temps, donc je vais aller assez rapidement sur ce sujet. Je vais vous présenter donc Temperly. Donc, on est issu du groupe Saint-Gobain, donc dans la division plomberie chauffage. Voilà. Donc, si vous voulez, l'entité donc qui s'occupe de toute cette partie-là, c'est DSC. Donc, nos clients habituellement sont des plombiers chauffagistes. Donc, on a une maîtrise assez bonne donc de tout le secteur en fait de la plomberie et du chauffage. Et on a une base de données d'artisans plombiers chauffagistes qui est colossale en France. Et en fait, vous allez le comprendre, on va s'appuyer justement de nos clients donc plombiers chauffagistes pour réaliser la pose des équipements. Alors, très rapidement, donc Temperly, en premier lieu, c'est une solution de comptage d'eau et de chauffage. Voilà, tout simplement. La grande différence qu'on a par rapport au marché actuel, c'est que la pose du matériel, elle est effectuée par des installateurs plombiers chauffagistes qui en fait interviennent habituellement dans l'immeuble. Donc, c'est de manière générale, c'est le plombier chauffagiste que vous connaissez dans votre immeuble qui intervient pour les bobos du logement au quotidien. Ça apporte une certaine proximité. Il a une très bonne connaissance de l'installation. Et donc, finalement, ça en découlera justement sur la qualité de son travail. Aujourd'hui, donc, le marché de l'individualisation des frais de chauffage, très concrètement, ça concerne en fait tous les logements qui consomment plus de 80 kWh par mètre carré et par an. Grosso modo, ça concerne environ 4,1 millions de logements en France. Voilà, donc c'est quand même un sujet qui n'est pas négligeable, surtout aujourd'hui, quand on voit contextuellement avec la COP. La COP 21, tous les sujets sur le réchauffement climatique. Donc notre solution de comptage, tous nos équipements sont télérelevables, donc conformément donc à la loi en vigueur. Donc on propose, comme notre collègue de chez Coquelicot a très bien présenté, donc les répartiteurs de frais de chauffage, par exemple, ou les compteurs d'énergie thermique. Pour la partie chauffage. Ensuite, pour la partie eau, on a différentes gammes de compteurs d'eau, du plus précis au moins précis. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le répartiteur de frais de chauffage est beaucoup décrié sur notre marché parce que l'appareil en fait récolte un index et non un kilowattheure. Donc, si vous voulez, en termes de précision, c'est pas très fiable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un produit donc connecté. En fait, c'est un robinet thermostatique qui permet de faire du comptage. Donc, il est également équipé d'une sonde de température. Simplement, on récupère donc la consommation en kilowattheure. Donc, finalement, c'est un robinet thermostatique qui va faire régulation et qui va compter en kilowattheure. Donc, il sera aussi précis qu'un compteur d'énergie thermique. Très concrètement, aujourd'hui, on a deux offres bien différentes pour le comptage. On a une offre en location. Donc, location, entretien, relève sur 10 ans. On fait appel donc au plombier de votre résidence, au chauffagiste de votre résidence. Nous le rémunérons pour la pose. Et puis, Temperly s'occupe ensuite de toute la gestion des données, les alertes. Et puis, bien sûr, donne un accès à notre plateforme Internet, donc au syndic, pour avoir les décomptes de consommation générale et un accès aux résidents, aux propriétaires du logement, pour qu'ils puissent tout simplement suivre sa consommation mois par mois, que ce soit pour l'eau ou pour le chauffage.
Nous, ce qu'on dit, c'est que demain, donner accès à la consommation donc, aux propriétaires, ça permet de les sensibiliser sur les potentielles économies d'énergie qu'ils peuvent faire et finalement, voilà, réduire leur impact sur l'environnement. Donc, en plus voilà, de mettre un pied dans le logement avec le comptage de l'eau et du chauffage, on a développé une seconde offre qui là va venir en fait, se focaliser sur la chaufferie. On va venir donc, équiper la chaufferie en sondes et en capteurs pour permettre à l'exploitant chauffagiste de pouvoir surveiller à distance l'état de l'installation et puis surtout anticiper et prévenir en cas de panne. Voilà, je vais vous donner deux cas d'usage très simples. Donc, comme vous voyez en haut à gauche, la sonde de température. Cette sonde de température, on va venir la mettre sous calorifugage du départ aux chaudes sanitaires, par exemple. Cette sonde de température va nous donner donc, la température de l'eau heure par heure. Et finalement, ça va permettre à l'installateur chauffagiste, lui, en amont, de programmer des alarmes, des alertes. Voilà, mettre sa température de consigne, mettre sa température haute, sa température basse. Et demain, si voilà, la température baisse trop, il reçoit une alerte automatiquement et il sait qu'il y a éventuellement un risque de propagation de légionellose sur le réseau. Et donc, il peut directement intervenir et prévenir la copropriété et le syndic. Ça, c'est un cas d'usage pour la sonde de température. Très rapidement, le transmetteur de défaut, c'est un équipement en fait, qu'on va venir positionner soit sur la pompe ou sur le brûleur de la chaufferie. Et ça va permettre tout simplement voilà, d'être alerté en instantané lorsqu'il y a un défaut. Par exemple, la pompe tombe en panne ou le brûleur tombe en panne, l'installateur reçoit immédiatement une alerte. Donc, je vous fais un peu l'histoire classique. Voilà, Madame Michu n'a plus de chauffage chez elle. Et puis, voilà. Donc, elle va appeler son syndic de copropriété. Le syndic de copropriété va alerter l'exploitant chauffagiste pour qu'il puisse intervenir. Donc, l'exploitant chauffagiste, quand il a reçu le coup de fil du syndic, il sait qu'il y a une panne, mais il ne sait pas où est la panne. Voilà, donc, avant de se déplacer, il ne sait toujours pas où est-ce qu'il va devoir intervenir. Donc, il va prendre du temps. Il va prendre du temps et l'inconfort donc, pour le résident va finalement s'allonger. Avec ce genre de produit, dès que la panne se déclare, il reçoit automatiquement une alerte et il peut tout simplement prévenir le syndic, prévenir le propriétaire concerné et intervenir. Voilà. Donc, avant même de se déplacer, il sait où est la panne et donc il gagne énormément de temps et finalement, bah, il optimise il réduit finalement l'inconfort du résident. Voilà, ensuite, je ne vais pas vous présenter l'étendue de nos produits. Aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est un vrai sujet, que ce soit dans les ERP, donc dans les établissements recevant du public, mais aussi dans les logements. La qualité de l'air intérieur voilà, est pire que la qualité de l'air extérieur. Et donc, nous, voilà, on vient proposer une sonde de température et d'humidité qui va venir en fait analyser le niveau de CO2. C'est super simple à positionner, c'est tout petit. Et puis finalement, ça vous donne un visuel de l'état de la qualité de l'air dans votre appartement. Donc, pour cette offre-là, en fait, on met en place un abonnement donc de 8 euros par mois et par capteur. Souvent, le modèle qui marche bien, c'est que c'est l'installateur chauffagiste en fait, qui va acheter les équipements. Et puis ensuite, c'est le syndic de copropriété qui va s'abonner à notre solution, à notre plateforme, pour qu'il puisse lui aussi avoir justement un visuel de l'état de l'installation de l'immeuble. Voilà, donc ces deux solutions combinées, finalement, nous permettent d'apporter plusieurs solutions à plusieurs acteurs. Donc, notamment le syndic de copropriété, puisqu'on va intervenir dans l'individualisation des frais de chauffage et d'eau dans l'immeuble. On va lui permettre de choisir son partenaire pour la pose, l'entretien et le suivi de toute cette prestation de comptage. Et on va lui donner un accès Internet où il va pouvoir suivre l'état justement des équipements installés et il va pouvoir informer du coup les résidents automatiquement sur leur consommation, sur la facturation de leur consommation d'eau ou de chauffage. En parallèle, on vient accompagner les plombiers chauffagistes dans la digitalisation de leurs activités, en leur proposant des équipements qui vont permettre de leur faciliter le travail au quotidien, de dynamiser leur contrat de maintenance, et puis c'est surtout d'assurer la performance de la chaufferie.
Et enfin, pour le résident, donc ces deux solutions-là combinées vont permettre d'améliorer le confort de l'habitant, tout simplement, et de réduire en fait, les problématiques liées aux pannes de chauffage dans les chaufferies et lui permettre de suivre sa consommation pour agir sur sa consommation. Voilà, c'est quand on suit sa consommation qu'on peut effectivement réduire sa consommation et agir sur sa consommation. Voilà, je vais laisser la main donc, à mon collègue Michael Doux qui va pouvoir vous présenter la suite de cette présentation. Merci Skander. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on va dire oui. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement prendre la suite de mon collègue. Skander, est-ce que tu restes en ligne pour passer les diapositives ou pas? Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Ok, parfait. Comme ça évite de repartager encore une fois l'écran. Donc, bon, bah, comme l'a dit mon collègue, en fait, chez Temperly, on essaye un petit peu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on est également une jeune société, membre du groupe Saint-Gobain, mais en tout cas, on est un nouveau service. Par contre, on essaye au fur et à mesure du temps, effectivement, de prendre un petit peu toute la globalité de l'environnement, pas seulement l'environnement compteur, mais aussi un petit peu tout autour, la colonne d'eau, le système complet d'exploitation de la chaufferie, afin de pouvoir agir sur plusieurs points et pouvoir effectivement avoir un meilleur pilotage des consommations d'énergie à l'intérieur de la résidence. Donc effectivement, on propose au niveau du chauffage des répartiteurs de frais de chauffage ou des compteurs d'énergie thermique en fonction effectivement des installations, des pré-installations qui existent ou pas dans la résidence. Au niveau du comptage d'eau, les compteurs, effectivement, les compteurs d'eau, peu importe leur type. Bien entendu, tout ça est télérelevé puisque la nouvelle réglementation fait que au plus tard, d'ici 2027, en fonction de la date de construction du bâtiment, tous les compteurs, quels qu'ils soient, doivent être relevés directement à distance sans intervention d'un personnel spécifique sur site. On propose bien entendu autour de la pose des compteurs et des répartiteurs les accessoires à côté qui sont par exemple sur les radiateurs l'installation des robinets thermostatiques, sur les compteurs d'eau le remplacement du robinet d'arrêt qui se situe avant le compteur d'eau par exemple. Voilà. Et puis donc également comme l'a dit mon collègue juste avant, on travaille également pas mal sur des nouveaux objets un peu connectés, comme des vannes thermostatiques connectées qui permettent effectivement soit de gérer la consommation, l'ouverture ou la fermeture du radiateur, par exemple à distance, ou de la programmer au niveau horaire. Et puis de récupérer la donnée de température ou la donnée de consommation du radiateur directement sur un site web. Également existe au niveau de l'eau également des électrovannes qui permettent de détecter les fuites d'eau et de programmer peut-être des volumes d'eau au-delà desquels le débit va être amoindri automatiquement. Au niveau de la chaufferie, comme on l'a vu, des sondes de température, des transmetteurs de défaut, tout ça, des sondes et des capteurs qui permettent de donner plus de latitude à l'exploitant de chauffage, au chauffagiste, pour mieux gérer sa chaufferie, l'équilibrage, également être plus réactif en cas de défaut. Ce dont on n'a pas trop encore parlé, c'est toute la plateforme de suivi et de télémaintenance qui est basée globalement sur un portail web. Que ce soit pour le comptage, donc on a deux accès pour le comptage, c'est l'accès gestionnaire, l'accès pour les résidents. Et puis également sur le même site, il y a le portail donc pour les dédié aux chauffagistes pour dès lors qu'ils nous commande une sonde ou un
un transmetteur de défaut, un capteur, quel qu'il soit. Ils obtiennent bien entendu un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir se connecter sur temperly.fr et pouvoir avoir accès à des rapports mensuels, des recommandations en ce qui concerne les consommations. Le fonctionnement de la chaufferie et également des conseils pour mieux équilibrer, mieux procéder au réglage de la chaufferie afin de pouvoir générer des économies. Skander, si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, pour résumer, au niveau du portail web, donc bon, c'est la transparence, c'est-à-dire que en fait, tout est avec les matériels qui sont communicants, les répartiteurs, les compteurs, etc. Et puis l'automatisation des données, tout ça arrive directement sur le portail web, bien entendu. Bon, il y a quand même quelques vérifications qui sont faites automatiques, mais les index sont mis à jour. Bon, une fois par mois, on peut le faire également quotidien, c'est pas grand-chose en plus au niveau du, je veux dire, de la programmation sur le portail web. Et chez Temperly, étant donné qu'on fonctionne uniquement en télérelève, c'est-à-dire que donc c'est une passerelle qui interroge les compteurs tous les jours et qui renvoie la donnée en protocole GSM. Obligatoirement, il n'y a pas d'option, tout est inclus. C'est-à-dire que pour le gestionnaire syndic, qu'il souhaite recevoir un relevé par an, deux relevés par an ou 12 relevés par an, en gros, ça sera le même prix pour le gestionnaire syndic. L'analyse, donc vous pouvez créer des outils de comparaison et d'analyse sur le site afin d'identifier les anomalies de consommation, dans un petit exemple peut-être juste après, qui permet par exemple de créer par exemple de comparer bien entendu par rapport à la moyenne de consommation du bâtiment en question, ce qui peut être intéressant pour les résidents afin de connaître un petit peu leurs habitudes de consommation, mais également créer par exemple des compteurs virtuels qui permettent de donner des situations soit idéales, soit qui peuvent être simplement la somme des compteurs du bâtiment pour pouvoir faire une somme, par exemple, dans une résidence qui aurait trois bâtiments, pour pouvoir faire la somme par bâtiment et pouvoir comparer les bâtiments entre eux, par exemple, pour voir si l'isolation est la même. Voilà, ça pourrait permettre de détecter des différences comme ça. L'intégration des données, alors ça, bon, clairement, la plateforme Temperly, donc on peut se connecter effectivement sur temperly.fr avec son identifiant et son mot de passe, mais si le syndic possède déjà un portail web pour ses clients, ce qui est le cas chez la majorité des syndics, nous pouvons également intégrer via des API directement, on peut intégrer les données Temperly de manière automatique à l'intérieur du portail web du client syndic. Pour résumer effectivement, donc au niveau de la pose des équipements, donc vous pouvez choisir le client ou la résidence peut choisir son plombier ou son chauffagiste qui procédera à la pose des équipements. Également, bien entendu, étant donné que Temperly travaille sous l'égide de la marque CDO, qui est le réseau de magasins dédiés aux professionnels de la plomberie, obligatoirement, nous avons énormément de plombiers, d'installateurs partenaires qui sont des entreprises de plomberie qui travaillent également avec nous au cas où la résidence n'est pas de plombier attitré. La maintenance, bah, généralement, c'est le même prestataire qui a réalisé les travaux de plomberie ou de pose d'RFC qui va intervenir pour la maintenance s'il y a lieu. Et donc ensuite, tous les outils sur notre site web pour réduire la consommation des bâtiments, le suivi prédictif des anomalies de consommation de la chaufferie, les diagnostics d'équilibrage et de déperdition au niveau du réseau de chauffage, la télémaintenance de l'installation, ça c'est pour effectivement la partie maintenance de la chaufferie connectée,
L'optimiseur de relance pour baisser la courbe de chauffe, ça c'est un accessoire qui est installé également en chaufferie, relié à la chaudière, et également avec quelques capteurs situés dans des logements, dans un échantillon de logements représentatifs. Et qui permet effectivement de vérifier déjà s'il n'y a pas des gros écarts de température entre l'appartement qui serait situé tout en haut au nord sous les combles et puis l'appartement qui est en plein milieu qui lui serait surchauffé du fait qu'il est déjà protégé par tous les logements adjacents. Et puis également, une fois qu'effectivement la température, on va dire, de consigne est atteinte à l'intérieur des logements, ça permet effectivement de couper automatiquement la chaudière afin de faire des économies d'énergie, de combustible, fuel, gaz, tel qu'il soit. On propose également un système de désembouteilleur pour donc la qualité des eaux à l'intérieur des installations de chauffage. Et puis sur le site Temperly, une comparaison gratuite entre les différents fournisseurs d'énergie afin de pouvoir faire un petit benchmark et pouvoir mieux choisir son fournisseur. Voilà, donc le portail web se présente un petit peu sous cette forme. Donc au début, on arrive sur l'écran d'en haut à gauche sur une liste des résidences existantes dans le cadre donc du gestionnaire syndic. Donc là, on serait sur un syndic qui aurait quatre résidences en contrat avec Temperly. Il sélectionne la résidence concernée. Il a directement un accès, bien entendu, une visualisation de l'adresse et où est située sur une carte la résidence concernée. Et ensuite, il peut rentrer dans la résidence et voir que dans cette résidence, il y a 92 compteurs. Il y en a 82 qui sont relevés, 11% qui ne sont pas relevés. Avoir une visualisation directe sous forme de graphique des compteurs qui émettent des alertes. Donc, ça peut être des alertes, par exemple, des alertes fuite, puisque nos compteurs sont équipés d'un détecteur et d'un algorithme qui permettent de dire si effectivement le compteur a tourné 24 heures sur 24 non-stop. Obligatoirement, il estime que ce n'est pas normal et nous envoie une alerte fuite pour qu'on puisse venir prévenir le résident. Et le résident va pouvoir faire les démarches nécessaires pour vérifier par exemple si la fuite a lieu au niveau de sa chasse d'eau du WC par exemple et la faire réparer par l'entreprise compétente afin de faire des économies d'eau. Donc nous avons donc hop, pardon hop Oui, donc on a également la possibilité de créer, comme je le disais tout à l'heure, des compteurs virtuels afin de pouvoir comparer les consommations, alors soit entre résidents, entre bâtiments de la même résidence. Donc les compteurs virtuels, c'est assez simple à créer, hein, donc ça peut être des compteurs basés sur la moyenne, basés sur la somme des consommations des bâtiments. Et puis toujours pareil, on l'a dit la dernière fois, enfin sur la slide précédente, on peut intégrer ces données directement dans le portail web du gestionnaire, du syndic, du client. Voilà. Donc là, on a plusieurs vues qui permettent donc afin toujours de générer plus d'économies, etc., grâce à l'analyse des données et également après juste une petite autorisation d'accès aux données qu'il faut valider directement sur notre site, on a possibilité de voir différents modules
sur notre site qui permettent par exemple là le contrat d'électricité actuel de la copropriété ils sont avec EDF, ils ont un certain montant de factures par an et notre système va automatiquement leur proposer un ou plusieurs autres prestataires qui permettraient de générer des économies pour la copropriété. Nous avons la même chose également pour les, bien entendu, sur les contrats de gaz, et nous pouvons faire des vérifications de puissance électrique sur les différents réseaux électriques de la résidence, les circuits prises, le circuit spécifique pour les véhicules électriques si la résidence en est équipée, etc. Il y a possibilité au niveau de la résidence ou des logements de voir la puissance en veille et de vérifier donc du coup s'il n'y a pas des déperditions à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une surconsommation élevée au niveau des équipements en veille. Donc dans ce cas-là, peut-être les couper complètement afin de générer des économies d'énergie. Voilà. C'est tout pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a plusieurs questions. Alors, est-ce que, ouais, vous voyez les questions? Je vous laisse y répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, pour la Super. première, donc pouvez-vous détecter les fuites d'eau? Ah, Donc, j'y ai répondu. effectivement. Alors, est-ce que tu veux y répondre, Mickaël? Bah, j'y ai un petit peu répondu il y a 1 minute environ, mais je pense que la question a été posée avant. Donc, nos compteurs d'eau sont tous équipés d'un module radio, hein, une sorte d'antenne qui est capable, effectivement, qui est un accessoire électronique, et qui est capable de dire. Si le compteur d'eau a tourné non-stop pendant 24 heures, obligatoirement, il alerte pour dire il y a très probablement une fuite à l'intérieur du logement. Voilà. Dans 99% des cas, c'est effectivement une fuite, souvent au niveau des WC, puisque les gens ne s'en rendent dans ce cas-là pas compte et que ça repart directement aux eaux usées. Il y a vraiment, voilà, c'est une détection, puisque c'est basé effectivement vraiment sur la mécanique du compteur, hein, c'est-à-dire que le compteur a tourné 24 heures sans s'arrêter. Donc c'est pas simplement une supposition. Après, éventuellement, dans certains cas vraiment très rares, il se peut que la personne ait laissé vraiment couler de l'eau pendant 24 heures si ils étaient en train de remplir une piscine ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment vraiment très rare. La plupart du temps, effectivement, c'est bien une fuite d'eau. PC ou groupe de sécurité sur bande d'eau chaude qui en est la cause. Et puis, si je peux compléter un peu ce que disait Michael, c'est qu'au-delà de la fuite d'eau, le compteur est capable aussi de détecter une fraude. C'est-à-dire que demain, on arrache le compteur, voilà, on essaie de le casser pour je ne sais quelle raison. On reçoit aussi une alerte. Donc, que ce soit pour de la fraude, pour que ce soit du sous-débit, du surdébit, voilà, de la consommation donc constante, comme disait Michael. Mais aussi demain, si notre partenaire installateur pose le compteur à l'envers, on reçoit une alerte également. Donc voilà, on peut être sûr que, voilà, même en étant à distance, on peut être certain que l'installation a bien été faite et puis que le compteur est en parfait état de marche. Et puis voilà, si je peux rajouter un dernier point, c'est qu'en fonction de la technologie du compteur d'eau que vous utiliserez, ils seront plus ou moins précis. Voilà, sur le marché du compteur d'eau, il existe trois technologies différentes. Donc il y a le compteur d'eau vitesse. Donc c'est un compteur d'eau qui est plutôt classique avec une turbine à l'intérieur qui permet en fait de compter le débit en fait mécaniquement. Ce genre de compteur, ça a une durée de vie d'environ 7 ans. Ensuite, la gamme supérieure, c'est un compteur volumétrique qui a un niveau de précision qui est quand même supérieur. Puisqu'en fait il est capable de détecter il a un niveau de détection au bout de 4 litres. Et enfin là si on veut si vous voulez voilà, la dernière technologie actuellement sur le marché, donc c'est des compteurs d'eau à ultrasons.
Donc, en fait, c'est des compteurs d'eau. Voilà, il n'y a aucun élément mécanique à l'intérieur. Il y a simplement des émetteurs qui viennent en fait écouter le débit de l'eau pour voilà, nous donner en fait la consommation. Et les compteurs d'eau à ultrasons, ça a une durée de vie d'environ entre 10 à 15 ans. Et puis, c'est un niveau de précision au niveau d'un litre, pardon. Donc voilà, demain on ressent, donc on détecte une fuite de goutte à goutte sur une chasse d'eau. Voilà, au bout d'un litre, on reçoit une alerte pour vous prévenir. Voilà, on ne reçoit pas l'alerte 24 heures après. On ne va pas laisser l'eau couler pendant 24 heures pour vous alerter ensuite. Ensuite, on a donc une Merci. deuxième, ouais, on a deux autres questions. Donc, au-delà de l'intérêt technique, les répartiteurs ont fait l'objet de critiques de la part des associations de consommateurs. Ceci appelle deux questions. Premièrement, quels arguments avancez-vous pour répondre à ces critiques? Et deuxièmement, existe-t-il des aides pour faire réaliser un audit des installations? Alors là, juste une précision. Ces critiques, elles ont été émises principalement, à ma connaissance, sur les répartiteurs par sonde. Ça ne concerne pas les compteurs d'énergie thermique qui s'installent en entrée d'appartement. Oui, Il y a tout les à deux. fait. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, effectivement, pour compter l'énergie de chauffage qui est dépensée dans un logement, il y a deux technologies principales qui sont le compteur d'énergie thermique, qui lui, en fait, est situé vraiment à l'arrivée de chauffage du logement. Souvent en gaine-pas-gaine, c'est souvent les nouvelles résidences, les nouvelles constructions enfin les constructions en tout cas récentes qui en sont dotées. Ils ont la préinstallation nécessaire pour pouvoir poser ce type de compteur. Effectivement, ils font vraiment la corrélation entre la température à ce qu'on appelle la température de départ, la température allée du réseau de chauffage. Donc à l'entrée du logement, l'eau arrive de la chaudière collective, elle arrive dans le logement à peut-être 65 degrés. Ensuite, cette eau va passer dans tous les radiateurs du logement. Du coup, il va y avoir une dépense d'énergie. Et puis quand elle va revenir dans le système retour du chauffage, pour aller se faire rechauffer, pour repartir dans le chauffage. En chaufferie, se faire réchauffer à 65 degrés, du coup, à ce moment-là, au moment où elle sort du logement, elle est peut-être plus qu'à 56 degrés. Donc là, il y a une différence de température. Donc, aller moins retour, 65 moins 56, pof, 9 degrés, et qu'on multiplie par le débit qui traverse le compteur, qui est en litres par heure ou en mètres cubes par heure, et ça fait vraiment des kilowattheures. Donc ça, c'est effectivement la méthode mathématiquement, scientifiquement correct pour comptabiliser du chauffage. Maintenant, malheureusement, tous ces résidences-là, qui sont prééquipées pour recevoir des compteurs d'énergie thermique, ne sont pas Majoritaire. le plus courant. Voilà, elles sont pas parce que toutes les résidences d'avant les années, on va dire 85-90, en gros, n'étaient pas équipées de ce type de préinstallation. Donc du coup, les seules choses qu'on peut faire, effectivement, c'est un petit peu, on va dire, de l'adaptation, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on ne les appelle pas des compteurs. Ça s'appelle les répartiteurs. Donc les répartiteurs, c'est les petits capteurs qu'on met sur les radiateurs, donc qui sont soit soudés si c'est des radiateurs plats, soit bridés à l'aide simplement, on les visse simplement entre deux éléments, par exemple, sur les radiateurs en fonte. C'est des répartiteurs, ils ont pas donc de l'index n'a pas de valeur, c'est pas des kilowattheures, c'est pas des mégawattheures, il n'a pas de valeur et en fait c'est simplement rapporté à l'ensemble des autres index du logement et de la résidence que ça va permettre au syndic et aux prestataires et aux syndics de répartir la facture globale de chauffage de la résidence, donc les frais de combustible, entre les différents appartements de la résidence. Donc oui, effectivement, scientifiquement, mathématiquement, c'est pas 100% juste,
mais par contre, ça s'en approche énormément et c'est une répartition basée quand même sur un total qui est les frais de combustible. Donc, c'est le montant le nombre de litres de fuel, le nombre de litres de gaz, etc., que le fournisseur de chauffage a injecté dans le système sur toute l'année, par exemple, et donc, bien entendu, à facturer le combustible au syndic. Donc, par exemple, je ne sais pas, pour une année, 20 000 euros. Bon, bah, sur ces 20 000 euros, les répartiteurs vont permettre de dire effectivement qu'il y en a 5 000 pour Madame Michu au troisième étage, 3 500 pour Monsieur Durand au deuxième, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, donc oui, clairement, scientifiquement, mathématiquement, c'est pas correct, mais c'est quand même le moyen technique, on va dire, de quand même faire quand même des donc permettre de suivre les consommations et après, bien entendu, par voie de conséquence, d'agir positivement sur ces consommations pour les réduire. Et très bien. Ensuite, donc la deuxième question, c'était existe-t-il des aides pour faire réaliser un audit des installations? Des aides financières ou des aides techniques? Les bureaux d'études peuvent vous aider effectivement à lancer bah, une étude, un appel d'offres, etc., pour baser sur aussi bah, l'année de construction de votre bâtiment, le type de radiateur, le type de chaudière que vous utilisez en chaufferie collective, est-ce que vous êtes au fioul, au gaz, le CPCU, chauffage urbain. Voilà, donc ça, les bureaux d'études, si vous en avez besoin, les bureaux d'études peuvent sûrement effectivement bah, gérer toute cette partie-là pour vous au niveau technique, au niveau comparaison des offres entre les différents prestataires, etc. Après, au niveau financier, il y a des C2E, ce qu'on appelle les CEE, les certificats d'économie d'énergie, qui sont délivrés effectivement en cas d'installation des répartiteurs de frais de chauffage, en cas d'installation des robinets thermostatiques, et puis pour d'autres prestations qui permettent de faire des économies d'énergie, comme les isolations. Également, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'optimiseur de relance en chaufferie, qui est aussi concerné par les certificats d'économie d'énergie. Et généralement, d'ailleurs, c'est assez intéressant à ce niveau-là, puisque souvent, les optimiseurs de relance, ça va coûter, en fonction de la résidence, peut-être aller en moyenne, peut-être 5 000 euros le boîtier à connecter sur la chaufferie. Pour faire toutes ces analyses précises, etc., fines et bien gérer la chaudière. Par contre, il y a un CEE qui est de plusieurs centaines d'euros par logement pour la mise en place de ce système-là. Donc, au final, on peut se retrouver finalement avec un optimiseur de relance qui coûte rien et qui rapporte. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai vu passer, Monsieur Damon, je crois que vous aviez un chiffre sur la précision de la solution de vos répartiteurs connectés, il me semble. Oui, en fait, c'est le. Oh, ouais, Oui, on vous entend. Très bien. J'avais remis le micro. En fait, c'est le CEREMA, qui est un laboratoire d'essais d'analyse publique qui, en début d'année, avait testé en banc d'essai Coquelicot versus d'autres solutions. Je rejoins tout à fait Michael sur l'approche en disant que les répartiteurs, en tant que tels, ne sont pas la meilleure solution scientifique, mais il faut aussi considérer qu'en France, seuls 20% des résidences, et j'abonde dans le sens de Temperley, sont des résidences qui peuvent accepter des compteurs. Pour les autres résidences, il fallait trouver des solutions. Et la seule solution qui existait jusqu'à présent était la solution du répartiteur. Donc, sincèrement, il a rendu bien les services, il a fait le job, il le fait toujours. Donc, voilà, faut pas cracher sur l'outil technique qui sert plein de pays et plein de résidences tel qu'il le fait aujourd'hui. Côté Coquelicot, c'est vrai que l'approche, c'était de dire ben, c'est une autre manière de répartir. Il faut considérer que Coquelicot, en fait, est un système de répartiteurs à part entière. Donc, il y a un répartiteur physique, puis maintenant, il y a des répartiteurs qui se veulent un peu plus digitaux. Et la précision de la mesure, telle que le CEREMA l'avait calculée, se situe à 93%. Donc, la clé de répartition, la fiabilité de la clé, était à 93 quand on sait que finalement, la sonde de température elle-même a déjà
en usine un écart qui est de l'ordre de 4 à 5 %Donc, si on rejette cet écart type de la sonde de température en tant que telle, on se retrouve à un niveau de fiabilité qui est plutôt intéressant. Mais l'algorithme et la technologie derrière de Coquelicot, qui est brevetée, du reste, ça a nécessité une dizaine d'années de recherche scientifique académique. Là, c'est pas issu, c'est pas une formule sortie du chapeau. Historiquement, Coquelicot équipait en fait les bureaux d'études par le passé sur des solutions techniques pour les aider dans les scénarios d'optimisation ou pour les contrats de garantie de performance énergétique. Ça, c'est le premier savoir-faire de Coquelicot qu'on a en fait transposé lorsque la loi Elan a renforcé l'obligation d'individualiser pour aider voilà, les copropriétés et les bailleurs. Mais on l'a dit, hein, le marché il est ultra vaste. Il y a une urgence absolue, du coup, à faire des efforts et à être plus vertueux. Michael me montrait tout à l'heure, via Temperly, il y a un peu plus de 4 millions de logements de concernés. Je veux dire, on a tous deux et avec d'autres sociétés de belles années du coup devant nous pour aider les utilisateurs finaux, les occupants à faire des économies. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Tiens, en fait, qu'il y a une réticence. Oui, alors oui, effectivement, il y a de la réticence de la part des copropriétaires. C'est la remarque de Monsieur Gilbert. Après, je pense aussi pour compléter un peu ce que vous avez dit sur la partie technique et comptage. Nous, ce qu'on rencontre aussi à l'Agence parisienne du climat via Coach Copro, quand on accompagne les copropriétés, il y a aussi une question de comportement qui est que quand on individualise pas, il y a certaines personnes qui se préoccupent pas d'optimiser les réglages qu'ils font de leur côté de manière individuelle. Alors, il y a des situations où, en plus, ce n'est pas possible, où on a parfois des copropriétés qui ont une émission de chauffage par plancher chauffant, où on ne peut pas contrôler la vanne, ou en tout cas, ce n'est pas du tout simple pour l'utilisateur, et donc on ne le fait pas. Donc, il peut y avoir un manque d'équipement pour régler, il peut y avoir un manque de connaissance de l'habitant, et puis il peut y avoir un côté, je suis noyé dans la masse de la consommation collective, donc je ne vais pas me préoccuper de faire un effort pour mieux régler. Et on constate régulièrement en visitant les copropriétés que des gens utilisent l'ouverture de la fenêtre pour régler, entre guillemets, la température du logement plutôt que de fermer les vannes. Donc, effectivement, il y a des réticences du fait peut-être de l'imprécision ou de la précision pas parfaite, pas à 100% de ces répartiteurs, mais il y a aussi un côté comportemental qui va pouvoir amener à faire des économies d'énergie et qui est pas négligeable. Après, je pense qu'effectivement, que ce soit pour les répartiteurs de frais de chauffage ou pour même peut-être la solution de Coquelicot, le but aussi, c'est d'amener les gens par justement par des comparaisons, par une prise de conscience qu'au final leur logement est peut-être mal isolé et qu'il faudrait peut-être refaire un peu plus l'isolation, les menuiseries, les fenêtres, voir effectivement peut-être installer des robinets thermostatiques, tout ce qui concerne en fait et ce qui est en fait le fondement même des réglementations sur les économies d'énergie, le Grenelle de l'environnement, etc. Pourquoi est-ce qu'en fait on installe des répartiteurs de frais de chauffage? Effectivement, il y a déjà un effet immédiat de on a mis un capteur sur mon radiateur, du coup je vais faire attention parce que sinon je vais payer plus cher. En tout cas, je vais payer ce que je vois réellement et non pas une moyenne. Il peut y avoir un effet immédiat, il peut y avoir l'effet un petit peu différé comme les syndics généralement font l'épuration des charges une fois dans l'année. Ceux qui n'ont pas réagi immédiatement, ils peuvent réagir avec une petite année d'écart quand ils reçoivent la régularisation de l'année. Après l'assemblée générale et la clôture des comptes, et puis après il peut y avoir effectivement sur la plus longue durée, on va refaire le ravalement, on va faire l'isolation thermique au niveau des fenêtres, etc. Et au final c'est ça en fait la finalité de toutes ces choses là aussi. Le but finalement du Grenelle de l'environnement, de la COP21, de la COP26, etc. C'est comment baisser les consommations des bâtiments. Absolument. Ça nous fait un magnifique mot de conclusion là.
Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on arrive à la fin. Je vous remercie tous les trois pour vos présentations sur ces différentes solutions techniques. Merci à ceux qui ont posé des questions pour avoir fait un peu vivre le webinaire. Merci. Donc on vous enverra la présentation par mail. Les présentations de Coquelicot et Temperly sont envoyées par mail juste après la présentation. Et je vous enverrai également le lien pour les prochains événements Solutions Pro. Voilà, merci à tous, merci Merci à beaucoup. tous. Merci beaucoup.